Eh bien, salut, salut. Voici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui, enfin venu non, inspecter non, pas vraiment. Je suis venu payer une voiture et j'ai découvert trois modèles que Memorial vient de rentrer dans leur inventaire, trois modèles magnifiques. On a une Bel Air Wagon Break, un bleu qui est, j'ai montré sur ma page Facebook, qui est superbe. Ils ont un pick-up truck, un 3100 Chevrolet de 1953 qui vient d'arriver et qui apparemment est déjà vendu. Là, je me mords les doigts. Et puis cette somptueuse Buick Skylark de 1966, d'après ce que l'on m'a dit, un modèle très rare, puisque moins de 6200 exemplaires ont été assemblés, ont été construits. Voilà, c'est une voiture, c'est le genre de voiture qui est sympa à découvrir, parce que plus on la regarde en profondeur, plus on la détaille, et plus on voit de belles choses. Une des belles choses que j'ai découvertes aussi, c'est son bruit, son moteur. On va le voir quand je vais le mettre en marche. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller déjà de la découvrir avec moi, hein, aller faire un petit essai routier. Et en plus, il fait beau aujourd'hui à Portland. Ça fait 8 mois qu'on n'avait pas vu le soleil. Donc, j'apprécie. J'ai même amené mes lunettes de soleil. Donc, ce qu'on va faire, on va rouler un petit peu. On va s'arrêter sur mon coin là-bas, je pense, ou habituel, où je fais mes photos. Et on va revenir en capote baissée, profiter de ce soleil, pourquoi pas. Voilà, allez, c'est parti. Écoutez bien le bruit du moteur déjà. Alors, oui, en parlant du moteur, c'est un moteur de 3, c'est un V8 de 300 cubic inch. C'est le Wildcat 310, il me semble. Wildfire, Wildcat, je ne sais plus. Bref, je vous le confirmerai. Boîte automatique, vitesse sur la colonne, hein, comme on peut le voir. Direction assistée, freinage assisté, capote électrique. Voilà, pour ne citer que quelques détails. Bah tiens, on va continuer. Deux petites touches de modernisme qui sont appréciables. Les trois jauges ici, aftermarket, je ne sais pas si on les voit là. Hein, classique, pression d'huile, le voltmètre et la température d'eau, et un superbe autoradio Kenwood moderne, très proprement installé en dessous. On n'a rien découpé, on n'a rien cassé, et surtout un très très joli son. Je soupçonne la présence d'un caisson de basse dans le coffre ou quelque part. Elle a de beaux haut-parleurs, je ne sais pas où ils sont honnêtement. Ça a été bien fait, bien discret. Il y a un très joli son. Allez, c'est parti, contact. Démarrage. On l'entendra peut-être pas sous cet angle-là, mais elle a un très très joli son. Hein. Un peu style glass pack dans le style de son. Hein. Allez, c'est parti. Pied sur le frein. Reverse, neutral, drive. C'est parti. En douceur la sortie de chez Memory Lane. Les voitures basses ont tendance à frotter. Voilà, alors ouais, comme je le disais, une voiture, plus on la regarde, plus on la découvre et plus on l'aime finalement. Alors, cette voiture a été restaurée, toute évidence. Je n'en sais rien, je n'ai même pas eu l'occasion de parler à qui que ce soit chez Memory Lane, honnêtement. J'ai vu la petite étiquette et voilà, je redis, je suis là, j'aimerais bien aller en faire un tour et en faire mon inspection. Et ils m'ont dit, bah vas-y, tu sais où sont les clés. C'est parti. Voilà, bon, déjà d'entrée, on voit une voiture saine, facile à conduire, hein, direction nickel, hein, absolument fantastique. Hein, un très bon freinage, assisté, je l'ai dit. Hein. Alors, je pense que ce sont 4 freins à tambour malgré tout. Hein. Mais on voit tout de suite que ça freine. Hein. Quoi d'autre? Transmission, pas grand chose à signaler à ce point. Hein. Tout semble fonctionner très très bien. Elle est douce. Aucun à-coup au passage de vitesse. Non, tout ça semble bien assemblé, bien réglé, bien fait. Ouais, il y a de grosses basses. Il y a un caisson de basse caché par là.
L'autoradio est d'origine toujours en place, mais il ne fonctionne pas, évidemment. Est-ce qu'on a un klaxon? Waouh, fantastique. J'ai inspecté une série de voitures dont le klaxon ne fonctionne pas récemment. Celui-ci fonctionne. Le compteur kilométrique fonctionne. J'ai une jauge, la jauge d'essence qui fonctionne. Et c'est tout ce qu'on a au niveau jauge et voyant. D'où l'importance ou l'avantage de cette de ce petit pack aftermarket avec les trois jauges mentionnées. Vitre monte et descend facilement. Clignotant semble fonctionner. À gauche aussi. Non, on sent la voiture bien faite, bien restaurée. La classe. Le moteur est très doux. Ventilation. Alors, puissante. Elle va me dégager un petit peu de poussière. On va la laisser sur chauffage, defrost. Donc on devrait avoir l'air chaud à la base du pare-brise rapidement. Fantastique. Sacrée voiture. Encore une. Ces trois voitures que mémorisait à la rentrée pendant ce week-end là, que j'ai mentionné, hein, la Bel Air Break bleue, celle-ci, et le Chevy 3100 53. Trois magnifiques modèles. Voilà, tiens, on arrive à mon coin préféré. Il n'y a pas de voiture garée, impeccable. Hop là. Je vais pouvoir faire des photos. Donc je sens bien l'air qui sort là-bas du pare-brise. Il est tiède pour l'instant. La voiture est froide, donc ça devrait se réchauffer. Alors, comme elle se conduit, fantastique. Suspension super douce et c'est pas un bateau quoi. La voiture, voilà, elle se remet tout de suite dans sa position. Voilà, parfait ici. Le terrain de golf, un des terrains de golf de Portland. Parc. Ah voilà, ça chauffe gentiment. Et donc, il y a trois vitesses de fonctionnement. Hein. Off, low, medium, high. Vous. Allez, on fait le tour, on fait le point de tout ça, vu de l'extérieur maintenant. Eh bien, me voici au terme de cette inspection et de ce reportage photo. J'en ai pris environ, je ne sais pas, 140, 150. Elle est tellement photogénique qu'on ne s'arrêterait pas. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. Les dessous sont très beaux, très sains, très secs. On le verra bien. Voilà, cette voiture est somptueuse. Hein. C'est vraiment... On pourrait carrément la qualifier de show car, et pourtant j'utilise ce mot vraiment rarement. Et tout fonctionne sur cette voiture, c'est ça qui est plaisant et agréable. Hein. Sur toutes les voitures que j'inspecte, il y a toujours un petit truc qui ne fonctionne pas. Hein. C'est le compteur kilométrique, ou le klaxon, ou les clignotants, ou le désembuage. Il y a toujours un petit truc. Et sur celle-ci, ben, rien. Tout fonctionne. Hein. La carrosserie est fantastique, belle peinture. Personne évidemment, hein, pas de boursouflure, pas de rouille, pas la moindre trace de rouille sur l'ensemble de cette voiture. Hein. Tout petit défaut, il est situé à l'arrière, il faut le savoir, il faut le voir, il faut mettre le nez dessus. Voilà, une petite série de rayures ici, la voiture a probablement en manœuvrant accroché quelque chose dans le garage, je ne sais pas. Voilà, ce sont des rayures, elles peuvent s'atténuer hein, avec un bon lustrage, elles ne vont pas disparaître évidemment, mais vraiment s'atténuer. Il faut savoir que là il est 11h30, hein, le soleil tape dessus vraiment pratiquement à la verticale, donc il les met bien en valeur. Je viens de les voir, je ne les avais même pas vus auparavant. Hein.
Voilà, c'est tout et c'est tout. C'est vraiment le seul défaut que j'ai noté sur cette voiture. Elle est très bien équipée, les pneus sont, sont quasi, ils peuvent encore faire beaucoup de bornes, probablement autant que le reste de la voiture, que la vie de la voiture. Joli compartiment moteur. Alors voilà, confirmation, hein, c'est bien un V8 de 300 cubic inch, dénommé aussi le Wildcat 310. Voilà, hein, tout. Pour toute à toute fin utile, hein, le 310 de Wildcat ne correspond pas à la puissance au nombre de chevaux. Assistance freinage, on le voit ici, on l'a vu, elle freine très très bien. C'est un énorme boîtier de direction. Elle est très plaisante à conduire, la direction est très très saine, hein, sans aucun jeu. On voit le calfeutrage du capot qui est bien en place. Voilà, les chrome, les feux, calant, gris, pare-choc, enjoliveur, hein, tout est nickel. Tout ce qui est trim, hein, tout ce qui est garniture de pare-brise, etc. Tout est en parfait état. Hein. L'intérieur, on va y revenir. Donc idem à l'arrière en ce qui concerne pare-choc, feu, etc. Hein. Le pare-choc est fantastique. Hein. Très très beau coffre, très propre. Alors effectivement, le voilà, le fameux caisson de basse, un JBL, et là-bas, bien installé, on voit que ça a été bien fait, hein, l'ampli, quoi. Hein. Voilà, là-bas, on voit le dispositif de ouverture-fermeture de la capote. Elle est équipée d'une roue de secours, un joli tapis de coffre, voilà. Alors, ça paraît très très beau, très très sain en dessous. Voilà. Joli, hein, même le joint de d'étanchéité est en place, donc aucun souci de, voilà, d'humidité, ce qui explique le parfait état de ce coffre. Hein. Voilà, superbe, hein, elle est vraiment superbe cette voiture, hein, incroyable. On va fermer le capot, c'est plus joli. Voilà, parlons de l'intérieur, la sellerie, bah, elle est nickel, elle est comme neuve, hein, tout simplement. Hein, voilà, arrière, avant, fauteuil, elle est... Elle est équipée, la banquette avant équipée d'un accoudoir, c'est bien sympa. Les panneaux de porte sont en parfait état. Et bien sûr, tout ce qui est feutrine, lèche vitre est en excellent état. On l'a vu, les vitres montent et descendent sans difficulté. Tiens, le petit, voilà, c'est rien, c'est juste un sticker finalement. Hein, mais bon, le souci du détail, hein, c'est nickel, c'est bien propre, bien fini. Et hop, bien sûr, le petit décalque GM qui n'a pas été oublié. Toutes les butées ici qui sont en parfait état, les joints de porte, etc. C'est nickel. Voilà en ce qui concerne la. Genre, j'ai installé le couvre-capote évidemment. Tableau de bord est nickel aussi. Le haut du tableau de bord, il est bien épais. Bien, c'est pas un plastique dur et il est vraiment sympa. Joli volant aussi. Tout petit, tiens, voilà la peinture qui commence à se. Qui a réagi ici, qui s'est un petit peu craqué, c'est tout. Hein. Sinon, le reste du volant est magnifique. Et on a un klaxon qui il fonctionne, on l'a vu aussi. Voilà, cette autoradio Kenwood, les trois fameuses, le cluster aftermarket de jauge, l'autoradio d'origine, commande de chauffage, et voilà, tout ici fonctionne. Alors voilà le bouton qui permet d'actionner la capote, hein, c'est le bouton appelé accessory. Feu, wiper, tiens, j'ai pas essayé les wipers, faut que je le fasse sur le chemin du retour. Les essuie-glaces, évidemment. Frein de parking. Voilà, qui fonctionne, impeccable. Et puis voilà, hein. Tiens, je vais pas regarder la télé là, ce qu'il y a dans la. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, on a une petite télécommande pour commander l'autoradio. Petite. Ou ici pour mettre la façade qui est de toute évidence détachable. On a le petit simplement apparemment voilà le mode d'utilisation instruction manuelle Kenwood de l'autoradio et voilà c'est tout. Oh tiens j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon ça c'est l'Oregon registration, mais on a le owner's manual, Buick owner's guide. Qui semble bien d'époque aussi. Ça c'est l'assurance. Voilà, hein, la Buick Engineer Approved Accessories. Ça c'est les accessoires. On n'a pas la clim.
Voilà. Un petit peu de documentation d'origine, toujours appréciable, bon à voir. Et puis vous noterez le petit espace, le petit rangement ici, bien bien sympa. Hop, ça j'aurais dû le mettre avec, mais c'est pas grave, c'est l'assurance. Voilà. Ouais, c'est nickel. Hein. Voilà, plaque d'identification, j'en ai pris une photo aussi. Regardez comme c'est beau, comme c'est propre. Voiture qui a été bien, bien, bien refaite, hein, ça. Très, très belle restauration. Voilà. Eh bien, honnêtement, je pense en avoir fait le tour. Ah, tiens, petit défaut ici, classique, à l'extrémité des portes. Hein. Peinture qui s'est écaillée là. Là aussi, mais ça a été retouché. Donc celui-ci est plus récent. Donc là, il y a un tout petit ici qui a été retouché. Et puis, tiens, voilà, là, on voit là, celui-ci, là, voilà, au bout de mon ongle. Un petit... Ouais. Ouais, c'est un tout petit éclat, mini-mini. Ah, un autre ici. Ouais, oh, c'est une peinture. Bon, elle n'est pas neuve, de toute façon. Je crois que j'essaierai de demander, savoir si on connaît la date ou l'âge de la restauration. Ça ne m'a pas l'air, c'est toute évidence, hein, c'est pas une peinture neuve, quoi. Hein. Ce qui est toujours un bon signe, hein, parce que les peintures neuves, c'est dangereux, quoi. On ne sait jamais trop comment ça va vieillir, justement. Voilà, je ne pense pas que ce soit le cas sur celle-ci. Hein. Voilà, donc, ce que vous voyez, que je vous ai présenté, est une Buick Skylark de 1966, cabriolet. Je vais la ramener au bercail. Mettre mes lunettes de soleil et prendre le soleil de Portland. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection et je vous dis à très bientôt. Au revoir.